Maman, Jenny, une enfant. Elle s'appelle Aminata. Comme un voyageur qui voit défiler les arbres, mais qui ne peut fixer le paysage. Tu la vois, elle est là, regarde vite, voir le marbre, elle ne porte plus de visage. Chaque seconde qui meurt dans ce monde, il lui fait refaire à coups de coups son portrait, se tait, et son silence gémit dans les échos de nos murs. Elle vit cacher son histoire dans la mémoire ouverte de ses blessures, mais elle ne se plaint pas. À chaque fois qu'il la part, elle se réfugie dans sa prière, elle prie pour qu'il aille retirer en enfer, et elle se répète à elle comme une stimulante ritournelle. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Plusieurs fois par jour, ils lui font les entrailles, ils lui déchirent la chair. Mais elle se fait douce caresse, prise de mer, elle soupire. Elle crie plutôt que le vent rapporte à nos oreilles les cris horrifiants de ses couleurs. À chaque fois qu'elle respire, donc insuffler un peu de sang dans son souffle humeur. Elle est plus heureuse, elle ne se sent plus rien. Sa chair n'a plus peur, elle ne sent plus rien. Regarde ce qu'il a fait d'elle, un corps couvert de violence. Regarde ce qu'il a fait d'elle, une âme en perpétuelle souffrance. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Une adolescente, la vie séquestrée en cage. Une adolescente, le cœur en esclavage. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Regarde ce qu'il a fait. Et à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaint pas. Elle se réfugie dans sa prière. Elle prie pour qu'il aille retirer en enfer. Et elle se répète à elle comme une stimulante ritournelle. Maman, j'aime. Maman, j'aime une enfant. Maman, j'aime une enfant. Elle s'appelle Aminata. Ils lui disent, vois-tu ta sœur aînée, qu'elle honte, elle finira vieille fille. Toi, c'est bien, tout le monde raconte que tu fais l'honneur, la dignité de la famille. À 14 ans, on t'a sauvé de la solitude, de la nuit, dis merci, parce que de nos jours, c'est rare qu'on a chance d'avoir un mari. Et puis tu sais, un foyer, ce n'est pas qu'un nid d'amoureux, ça sert d'abord à conserver le feu, ça brûle. Alors ne t'avise pas de tourner en ridicule nos valeurs, nos traditions. Chez nous, un homme ne parle pas sa femme, il ne fait que parfaire son éducation. Chez nous, un homme, il est polygame, c'est normal, accepte qu'il ait plus de femmes. C'est la preuve que c'est un vrai talent. C'est donc quoi ces réflexions de petite blanche, d'égalité de sexe, de genre, de protection d'enfants en arcon. Surtout, ne nous mets pas à dos le regard de notre communauté. Sinon, ta mère et toi, vous serez châtiés, réduits, chassés loin de notre contrée. Et puis d'ailleurs, tais-toi bien, tous les livres saints le disent. Une femme, elle doit être docile, respectueuse et soumise. Alors, à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaît pas. Elle se réfugie dans sa prière. Elle prie pour qu'il aille nous tirer en enfer. Et elle se répète à elle comme une stimulante ritournelle. Maman, j'aime une enfant. Maman, j'aime une enfant. Maman, j'aime une enfant. Maman, ils nous ont menti. Je veux bien. Pourquoi vous me regardez de façon bizarre? Moi-même, je sais que je suis bizarre. Mais est-ce que c'est de ma faute? J'ai eu un papa bizarre, une éducation bizarre, une enfance très très bizarre. Alors ne vous étonnez pas si mon comportement est bizarre, bizarre. Je n'ai pas choisi d'être en conflit avec toi, maman.
enfant, j'avais toujours chaud. Trop de souffrance, de cicatrices dans mon enfance. Pour lui, c'était une foutaise que ma scolarité soit plus chère que sa bouteille de Belay. C'est comme ça que je quitte l'école. Dans la rue, j'ai tout appris, mépris. Souvent même, je prie pour ne pas que ma tête soit mise à prix. Aujourd'hui, je suis incompris. Je suis incompris. Ce que j'ai reçu, c'est des problèmes. C'est pourquoi ce que je crée, c'est des problèmes. Alors, ne me regardez pas de façon bizarre. Moi-même, je sais que je suis bizarre. Mais est-ce de ma faute? J'ai eu un papa bizarre, une éducation bizarre, une enfance très peu bizarre. Alors pourquoi êtes-vous étonné si tout ce que je fais est bizarre? Jamais fait, tellement mon ventre est rempli de peur. Peur de finir comme des amis qu'ils ont abattus. Alors abat ton jugement qui me tue aussi. Je ne suis un exemple pour personne, parce que moi-même je n'ai pas eu d'exemple. J'ai grandi dans ça, je sais faire que ça. Peut-être même que je vais finir comme ça. Mais dites-moi comment on fait. Comment on fait pour être tranquille comme vous l'êtes? Comment on fait pour suivre les larmes qui coulent dans son cœur? Moi, ma joue est tellement noyée que je sens que ma vie est noyée. Comment dénouer? Arrêtez de me réunir. J'ai juste besoin que vous m'aidiez à ne plus me nier. Alors, arrêtez de me regarder de façon bizarre. Moi-même, je sais que je suis bizarre. Mais est-ce de ma faute? Je ne fais que vomir ce que cette société m'a donné à manger. Sinon, je prie, je vous jure, je prie. Je prie pour que comme moi, plus aucun enfant ne devienne. Secondes avec une sensation d'eau très froide qui se répand sur ma poitrine par différentes ondes, comme quelqu'un qui se noie. Je suis fort, je cherche mon souffle, je souffre. Quand j'ouvre mes yeux, je vois cet homme debout, mon tuteur, avec une bouteille d'eau vide à la main qui me dit avec le sourire: je te refroidis maintenant que je te réchauffe. S'ensuit des coupes, ni mes cris, mes larmes n'arrêtent, n'est-ce donc ni le stop. Il fallait juste que je sois debout à mon 5 heures du mat pour être sain et sauf. Mais mon horloge mentale n'a pas dû bien fonctionner, alors à qui la faute? J'ai 13 ans, et chaque matin je fais la même prière: Seigneur, fais que je ne sois pas battu aujourd'hui. Car pour rien ne bat, sans débat, du début de la journée à sa fête de bout en bout. J'ai beau essayer d'être bien, je suis bien sans avocat, donc jamais d'alibi. Quand quelque chose se gâte, toutes les lois trouvent un cœur, c'est lui. Tous les toits me pointent du doigt, c'est lui. L'autre a dit que l'enfant est le père de l'homme. Souvent je me demande si la violence qu'on inflige à l'enfant que je suis ne ferait-elle pas de moi un père violent. Quand je me perds dans mes pensées de philosophe précoce,
se ramène à la réalité par une paire de gifles violentes. Parfois, pour avoir un peu de paix, je crains pour le côté de la cour qui supporte le cimetière. Et là, au sommet, je me sens bien, loin de tous ces vivants qui m'empêchent de vivre bien. En espérant qu'une mère décide de sauver incessamment. Mais chaque année n'a pas son passement. Il y a ces choses où ces personnes qu'on ne comprendra jamais. Il y a ces situations qui nous environnent et qui nous laissent stupéfaits. J'aurais bien pu nous taire ou dire que ce n'est pas mes affaires. Mais c'est ce que beaucoup ont fait, c'est condamner des gosses en enfer. Pourtant, personne ne les a envoyés d'avoir ce bébé. En ce beau mardi ensoleillé, j'ai vu leurs yeux briller de fierté. Maintenant qu'il est là, papa n'a plus le temps. Et maman dit qu'elle n'a rien. Aujourd'hui, il a l'âge de faire le bon, mais il traîne encore chez les voisins. Papa trouve qu'il est devenu grand et qu'il peut aussi contribuer. Alors qu'il n'a que 8 ans, le voici qui cire des souliers. Ce soir, la maison est enflammée. Le petit mon père est rentré sans rien. Après quelques bons coups de fouet, c'est sûr, il dormira dans la faim. Il y a ces choses où ces personnes qu'on ne comprendra jamais. Toutes ces situations qui nous environnent et qui nous laissent stupéfaits. J'aurais bien pu me taire ou dire que ce n'est pas mes affaires. Mais c'est ce que beaucoup ont fait, de condamner de gosses à l'enfer. La vie est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Mais si nous avons la chance d'être un peu en haut, n'oublions pas ces bons qui propissent en bas. Le pauvre, il est condamné à souffrir déjà dès cette tendre enfance. Il ne saura ni lire, ni écrire. Et il n'a jamais un peu de vacances. Voici le difficile quotidien de Mokta qui n'a pourtant pas demandé à naître et qui mène à cette vie de tolard. Sous nos yeux complices, il faut l'admettre. Mais c'est le quotidien de pleines filles et garçons que nous rencontrons chaque jour dans nos ruelles. Et si nous nous taisons, en réalité c'est nous, les vrais criminels. Il y a ces choses ou ces personnes qu'on ne comprendra jamais. Il y a ces histoires qui nous environnent et qui nous remplissent de regrets. J'aurais bien pu la boucler et dire, je ne suis pas coupable. Mais de toute cette cruauté, on est tous responsables.